Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélissa Zah. Aujourd'hui, je vous accueille avec une petite tasse à la main parce que je me les caille. Enfin, j'étais dehors il n'y a pas si longtemps, donc du coup, j'ai eu un petit peu froid. Et puis, parce qu'on va changer un petit peu de sujet. Vous avez vu jusqu'à maintenant des spin painting, des speed painting, j'ai du mal à dire, des speed painting sur de l'aquarelle. Aujourd'hui, on va un petit peu changer, on va faire une peinture en acrylique avec ma technique phare qui est le pistolet à colle. Et comme le visionnage sera peut-être un petit peu long, moi je me dis que ce qui est le mieux, c'est peut-être que je le lance tout de suite, comme ça vous le voyez en même temps et je vous fais les commentaires pendant que vous le regardez. Ça passera peut-être mieux, n'est-ce pas? Alors, comme vous le voyez, là c'est vraiment les premières bases de la création qui, comme vous voyez, n'est pas dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une création, comme vous avez vu dans le titre, qui a un petit peu plus de 5 ans. C'était un cadeau que je devais faire à un ami, mais entre temps je me suis perdue, il m'arrivait des petites choses de la vie et donc du coup je n'ai plus eu envie de le terminer. Et je ne sais pas pourquoi, la semaine dernière, j'ai eu un élan de motivation, j'ai tenu moins inspirée et donc j'ai eu envie de ressortir ce pistolet à colle afin de retravailler du coup de nouveau le bas-relief parce que la surface ne me convenait plus. C'est ça qui est intéressant quand on retravaille une œuvre 5 ans plus tard, 3 ans plus tard, enfin peu importe dans le temps, en fait notre vision change. Et donc du coup j'ai retravaillé tout le bas-relief. J'ai donné décidément plus de profondeur et c'est ça qui s'est globalement passé. Donc j'ai fait que ce travail là pendant un bon petit moment. On ne se rend pas compte mais je passe énormément de temps à donner les formes que je veux avec le pistolet à colle ainsi que la taille des filets, ce genre de choses. Vous le verrez davantage quand je mettrai du coup la... quand je filmerai du coup à la fin les détails. En fait là, comme vous voyez, je suis en train de mettre un apprêt de peinture. L'apprêt, ça permet à ce que la peinture accroche mieux sur la surface afin d'adhérer. Parce que si on met du coup directement de l'acrylique sur le pistolet à colle, ça n'adhère pas bien. Donc il faut absolument mettre un petit apprêt pour que ça puisse bien adhérer. Et c'est ce que je suis obligée de faire à chaque fois que j'utilise du coup cette technique maintenant depuis quelques années. Il faut savoir que la technique du pistolet à colle, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. C'est quelque chose que je pratique maintenant depuis à peu près 10 ans déjà. Parce que c'est quelque chose que je me suis découvert. J'ai fait cette expérience quand j'étais en deuxième année de fac. Et c'était pour un cours et depuis cette technique, elle ne m'a jamais quittée. C'est un peu, on va dire, ma marque de fabrique. Quand je fais des expos et que je présente du coup la série des encollés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous la présente en vidéo, cette série des encollés. Parce qu'elle est peut-être déjà un peu ancienne, mais je compte bien l'y reprendre un jour. Hein. Ça me ferait toujours plaisir que vous me dites ça en commentaire. Et donc, la série des encollés, en gros, c'est vraiment le travail du pistolet à colle pour donner des formes. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose qui n'est pas du tout fait normalement pour de la création. C'est-à-dire, normalement, le pistolet à colle, c'est pour joindre, c'est pour accorder. Alors que moi, je crée totalement des formes, je crée totalement des choses, je crée un visuel. C'est tout mon travail, justement, d'artiste. C'est aussi de savoir détourner ce que l'on me donne pour en faire autre chose. Et c'est ça que j'adore dans le métier d'artiste, c'est qu'on est capable de faire... quelque chose de super avec pas grand chose. C'est comme en cuisine, on arrive à faire des fois des trucs super avec pas grand chose. Maintenant, on va parler du coup de mon travail de la couleur. Alors, il faut savoir que cette applique, parce que c'est une applique, le thème du coup de cette création, elle reprend l'idée d'une applique qu'il y avait dans l'un des bars à Metz auquel je traînais énormément quand ils étaient ouverts, c'est-à-dire le Vivian's. Et c'est quelque chose qui nous avait énormément marqué, mon ami et moi. Et donc, du coup, ça m'a inspiré. Je lui ai dit, je te le ferai un jour en cadeau. Et non, c'était prévu pour son anniversaire, mais finalement, j'ai pas pu le faire pour je ne sais plus quelle autre raison. Mais vaut mieux tard que jamais. Je tiens toujours mes promesses et c'est toujours qu'une question de temps. Alors, il faut savoir que dans le bar, l'ambiance à la base, elle était vraiment très très sombre. Donc forcément, c'était vraiment un peu comme les Irish pubs, ce genre de truc. Mais moi, j'ai voulu vraiment travailler autrement cette idée. Alors, il faut savoir que l'idée que j'ai eue il y a 5 ans, elle est toujours restée dans ma tête, même sans la noter sur un bout de papier, elle n'a pas changé. Je voulais qu'on travaille avec du brun et du bleu. Travailler davantage les couleurs chaudes avec les couleurs froides. Alors, le chaud, pour moi, il apparaît du coup sur la surface plane, qui est du coup là où se dégage la lumière, là où elle est en train de jaillir. Alors que du coup, le froid est sur l'applique. Qui du coup qui fait le contraste clairement avec la lumière qui est cachée en dedans que de ce qu'on ne voit pas. Et donc c'est tout
C'est vraiment tout un jeu qui se fait sur cette création. Et je passe énormément de temps à travailler sur ce dégradé qu'il y a du coup sur la toile, où la lumière doit jaillir, où je dois mélanger les couleurs, le jaune de nappe, le orange, les bruns, parce que le brun est important aussi pour que ça se nuance très très bien. Vous voyez combien de temps je fais des couches et des couches, hein. J'ai énormément de patience quand j'ai une idée en tête et que je veux la voir, je passe énormément de temps. Alors là, j'ai vraiment ma grande base qui est donnée enfin. Maintenant, il est temps de jouer sur... J'assombris. En larmes, on voit pas trop parce que forcément, je déplace la toile de telle manière à ce que me convienne. Ah ben là, on voit. J'assombris vraiment pour accentuer le contraste et vraiment encore montrer que la lumière jaillit. C'est très important pour moi, histoire qu'on a l'impression que ça jaillit du tableau, que c'est pas qu'une lumière extérieure qu'on pourrait mettre au-dessus pour la mettre en évidence. Et c'est quelque chose que j'adore faire, c'est vraiment, pour ceux qui le savent, la couleur. J'adore ça, ça m'éclate, les dégradés, choisir les tons, les mélanger ensemble. Maintenant, on va passer à la technique que j'aime beaucoup utiliser, en tout cas au médium que j'aime énormément utiliser lorsque je fais de l'acrylique et surtout quand je fais les encoliers, c'est du glacis. Pourquoi le glacis? Le glacis, c'est une matière qui permet de donner davantage de transparence à l'acrylique. Et donc du coup, moi je trouve que c'est un matériau qui permet de mettre encore plus en valeur les bas-reliefs de cette création. Voilà. Alors là, on s'arrête ici la vidéo. Vous allez voir juste après le résultat final. Alors, il faut savoir que j'ai fait cette vidéo cette semaine. J'ai filmé cette semaine. J'ai commencé à la faire, il me semble, mardi. J'ai fini vendredi. Donc j'ai bossé dessus tout le temps. De jour comme de la nuit. Merci ma loupiote qui me permet de travailler de nuit avec une bonne lumière. Pour histoire 1 de finir cette vidéo dans les temps, pour avoir quand même du contenu ce dimanche et aussi d'avoir quelque chose qui me plaît. Si je ne l'aurais pas fini vendredi, j'aurais encore bossé samedi, mais là j'ai quelque chose qui me convient énormément. C'est quelque chose qui me ressemble, c'est quelque chose qui, je pense, va plaire à la personne que je vais lui offrir. Mais de toute façon, maintenant la création est vernie. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Si vous avez aimé découvrir ce petit speed painting, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un petit like, un petit commentaire en dessous de cette vidéo parce que ça me ferait toujours plaisir. Et puis c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Et puis ça fera également plaisir énormément à mon ami à qui j'offre cette toile. Puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, où vous pouvez découvrir d'autres de mes créations. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !